Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation de la plateforme AccorV6. La plateforme AccorV6 est un nouvel environnement qui regroupe au même endroit tous nos modules de calcul de structure qui étaient par le passé autant de logiciels séparés. Désormais, le logiciel Accor fonctionne par projet. Et je vais donc ouvrir un projet. Ici s'ouvre une page d'hypothèses générales qu'on renseigne une fois et dont les différents modules qu'on utilisera se nourriront. À droite de l'écran, c'est l'arborescence du projet. Nous créerons les différentes études nécessaires au sein des modules que vous voyez ici, regroupés en quatre grandes familles. Les outils généraux, disponibles sans surcoût dès que vous achetez un module quel qu'il soit. Je cite en particulier le module climatique qui permet de réaliser des notes de calcul de neige et de vent, et les outils de charge permanente qui permettent de définir des complexes de planchers et de couverture auxquels on peut faire appel dans les études de la famille Accor Express. La famille Accor Express, avec une démarche de calcul très guidée, sécurisée et rapide pour des éléments simples et constructions ordinaires. La famille AccorBat, donnant une liberté totale de conception, permettant à l'utilisateur de créer lui-même sa géométrie et d'appliquer tout type de chargement. La dernière et non la moindre est la famille AccorConnect, pour les assemblages, et qui n'est rien moins que la solution logicielle la plus pointue du marché au sujet des assemblages bois. Nous avons également un module pour les assemblages de la construction métallique. Je vous propose ici un survol des différents modules sans entrer dans les détails, afin de rester concentré sur ce que l'environnement AccorV6 apporte de nouveau. Des vidéos des différents modules sont aussi disponibles pour entrer dans le détail des fonctionnalités. Au sein de la famille Accor Express, je vous présente le module poutre. Mon étude vient d'être créée dans l'arborescence de projet. Je remplis les données et j'obtiens ici la note de calcul. Le module ferme permet de calculer les structures prédéfinies suivantes et les assemblages de ces configurations. On constate que notre étude de solive est toujours présente dans l'arborescence. Et on peut naviguer par simple clic d'une étude à l'autre. De la même façon que pour le module poutre, on remplit les données et on obtient la note de calcul dans l'onglet dédié. Dans le module CVT au Saturbois, je vais pouvoir créer niveau par niveau un bâtiment, créer les ouvertures et définir le panneautage, puis obtenir des résultats graphiques pour le contreventement, au vent et au séisme. Puis, je pourrai obtenir une note de calcul qui se présente de cette façon. AccorBat 2D est un environnement de calcul totalement libre. On peut y étudier des structures planes de ce type, par exemple. On peut également exporter une structure depuis le module ferme vers le module 2D pour la modifier dans un environnement plus libre. Ainsi, on économise le temps de dessiner la géométrie et d'appliquer certaines charges déjà appliquées dans le module ferme. Ici, par exemple, je modifie ma ferme en ajoutant des poteaux. J'ajoute les charges uniquement sur les poteaux. AccorBat 3D est construit exactement sur le même principe et on peut modéliser par exemple des structures telles que celle-ci ou telles qu'un hangar. Avec du lamellé-collé, comme dans le 2D d'ailleurs, mais aussi des panneaux de sature bois et même bientôt des panneaux de CLT pour tous les usages. Plancher, mur, toiture, tout ce que l'on voudra. Un des grands avantages de la plateforme AccorV6 est de pouvoir éditer d'un coup une note de calcul pour l'ensemble des études de notre projet. On clique ici pour choisir quelles études inclure dans notre rapport. On peut ensuite le sortir au format Word, totalement éditable.
Ici, on retrouve l'indice de calcul de la solive, de la ferme, de la maison en saturbois, etc. Je vous remercie de votre attention et vous invite à consulter les vidéos détaillées des différents modules de la plateforme Accorvé 6.